Alors, je veux bien. C'est l'avant-dernier. Le dernier s'appelle Cosmologie du futur, mais c'est la suite du petit traité d'écologie sauvage. C'est un monde où l'animisme des Indiens d'Amazonie est devenu la pensée dominante. Donc l'animisme, comme le définit l'anthropologue Philippe Descola, qui est une définition un peu restreinte, c'est une vision du monde où les plantes et les animaux sont considérés comme des personnes, où on leur attribue une vie intellectuelle et sentimentale à peu près similaire à celle des humains. Les différences entre les êtres ne sont que corporelles. C'est parce qu'on a un corps de manioc qu'on voit le monde comme un manioc, ou parce qu'on a un corps de toucan qu'on vit dans un monde de toucan, mais la vie intérieure est la même. Et donc évidemment, quand j'attribue ce mode de pensée-là, y compris à nos hommes politiques, ça transforme l'aspect du monde. Et j'imagine par ailleurs que la pensée occidentale, contemporaine, donc la nôtre, où les plantes et les animaux sont plutôt considérés comme des ressources, comme des objets, est devenue la pensée menacée, qu'un anthropologue Givaro vient étudier avec passion. Il commet un peu toutes les erreurs d'interprétation que les anthropologues français ont pu commettre en Amazonie, et surtout il milite avec fougue pour essayer de sauver les derniers bars PMU, les dernières fermes d'agriculture intensive, parce qu'il est fasciné par cette idée qu'on a un concept de nature, que la nature est mise à distance, qu'on fait une distinction nature-culture. Donc en gros, c'est de l'humour absurde, débile, mais avec un arrière-fond théorique d'anthropologie, quoi. C'est venu lentement. Il y a d'abord à l'origine, il y a une passion précoce et presque pathologique pour les oiseaux quand j'étais petit. Donc mes premiers voyages en Amazonie, c'était pour voir les oiseaux. Mais en tout cas, tous mes premiers voyages dans des communautés indiennes, j'y suis allé sans aucune curiosité anthropologique. Je considérais les Indiens quasiment comme un mal nécessaire. Enfin, c'est pas vrai. Je glanais quelques anecdotes exotiques à raconter aux potes en rentrant, mais sans un regard anthropologique. Et c'est longtemps après, quand j'ai lu les textes des anthropologues, ben notamment de Philippe Descola, qui avait vécu chez les Givaro dans les années 70, je me suis senti un petit peu minable d'être allé dans ces endroits sans m'intéresser aux humains, d'autant plus que les cultures amazoniennes sont des cultures très discrètes. Il n'y a pas de manifestation spectaculaire. Si on n'est pas déjà prévenu à l'avance, on passe complètement à côté, quoi. La pensée magique, la pensée animiste, se manifeste dans des petits gestes du quotidien de façon très individuelle, personnelle, et donc voilà, j'étais complètement passé à côté et j'ai décidé d'y retourner avec ces nouvelles clés en main pour voir à quoi ressemblait une communauté indienne quand on était un petit peu informé anthropologiquement avant d'y aller. Et donc c'est ça qui s'est produit, plus qu'une passion pour les Givaro. Enfin, en tout cas, il n'y a pas un truc, une fascination enfantine pour les têtes réduites ou un truc comme ça. C'est une curiosité relativement intellectuelle de voir à quoi ressemble un peuple qui parle quotidiennement avec les plantes et les animaux et qui les considère comme des partenaires sociaux, quoi. C'est pas une fascination d'enfance pour la notion de Givaro, quoi. Bonne question. Ça se trouve, si j'étais meilleur, j'aurais fait de la fiction. Non, c'est une des fonctions que jouent ces petites histoires pour moi, c'est vraiment un rôle apaisant quand l'actualité va vraiment pas dans le sens que j'aimerais lui voir prendre. Ça me fait du bien d'imaginer ces mêmes personnages, où pour une fois, ils diraient exactement les choses que j'aimerais leur voir dire. C'est étonnant à quel point ça fait du bien d'y malheureusement. C'est un rôle, un but un peu égoïste, vu que le but principal, c'est de me soulager, moi. Mais en tout cas, c'est celui-ci. Puis après, bon, c'est un ressort d'humour absurde aussi, hein, de dessiner Trump à la pêche, Angela Merkel qui vient troquer un esturgeon à une réunion du G20, etc. C'est un ressort absurde. Mais il y avait vraiment une envie de reprendre des éléments qui nous sont familiers, notamment des hommes politiques ou des présentateurs télé qu'on connaît, mais simplement de muter un petit truc dans leur cerveau et de les transformer en animistes, quoi. Alors la raison quand même première et véritable qu'il faut bien avouer, c'est d'aller vite, vu que c'est à la base c'est des publications de blog, donc c'est un stratagème pour gagner du temps, quoi. Après, j'ai été là aussi bluffé par à quel point ça permet d'obtenir des effets intéressants. La première fois que j'ai vu faire ça, c'était par Bastien Vivès dans ses petites publications de blog, et ma première réaction a été celle d'un vieux con qui fait il se fout quand même un peu de notre gueule, il aurait pu recommencer ses dessins. Mais après coup, je me suis rendu compte que voilà, ça fait notamment pour l'humour absurde, quand tu as le même personnage avec une expression un peu neutre, mais qui dit des choses complètement différentes, ça crée des effets de projection assez marrants. Par ailleurs, ça évite, parce qu'en BD, il y a quand même beaucoup de cases dont le dessin est inutile, quoi. Enfin, on lit le texte, mais on passe complètement à côté du dessin. Preuve en est qu'il y a beaucoup de mes lecteurs qui ne remarquent pas que c'est le même dessin. Quand je leur dis, quand je vois ça, je me fais heureusement que je ne me suis pas fait chier à refaire 10 fois le même dessin. Ils ne s'en rendent même pas compte.
Et je pense que ça aussi, pour le lecteur, le fait que tu profites de la répétition sans avoir le côté gênant d'imaginer un malheureux dessinateur qui a dû refaire un certain nombre de fois des dessins très similaires, quoi. Donc, la relative inutilité du dessin parfois en BD est peut-être un peu une limite, mais Proust dit aussi que d'après lui le dessin est, enfin Proust dans ma BD, entendons-nous, qu'en BD le dessin et le texte interfèrent et souvent se gênent l'un l'autre plus que de se renforcer, quoi. Et la répétition numérique du même dessin évite ça, quoi. Oui, en tout cas ça s'arrange pas certainement, quoi. Et je nous vois mal sortir de... Enfin, se défaire, alors que c'est évidemment vers ça qu'il faudrait aller, mais se défaire de notre concept de nature et de la distinction nature-culture, et surtout de la relation d'utilisation qu'elle sous-entend, vu que dans notre monde, même la protection est une forme d'utilisation. On protège un espace s'il nous est utile, ne serait-ce que pour des raisons de contemplation ou de récréation, mais néanmoins, quoi. Alors pire, si on attribue des fonctions de type, quand on dit qu'il faut protéger cette forêt parce qu'elle purifie l'eau, parce que il faut protéger les abeilles parce qu'elles pollinisent nos cultures, on est toujours dans cette relation, même quand on est bienveillant, c'est toujours une relation sujet-objet, une relation d'utilisation, de laquelle il faudrait se défaire pour basculer vers un rapport un peu de personne à personne, ou en tout cas une relation fondée sur les liens qui nous unissent à nos alter-ego non humains, et puis des relations... Mais évidemment, on n'en prend vraiment pas la direction, et il se trouve que nos dirigeants, au sens large, ont beaucoup trop d'intérêt dans cette... Enfin, leur vie dépend de tout ce qui découle de cette possibilité d'exploitation, donc il y a peu de chances qu'on... En tout cas, j'imagine mal qu'on se déplace progressivement vers une autre relation aux plantes, aux animaux et aux écosystèmes, sans une grosse rupture. Je nous vois mal aller vers ça petit à petit, quoi.